Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire découvrir lentement un nouveau jeu que j'ai acheté. Alors, c'est Mad Max. Je pense que certains connaissent le véritable film. Là, pour l'instant, il y a le jeu qui est pas mal, franchement, qui est super. Les sons du véhicule sont vraiment cool. Après, je vais pas tout vous spoiler quand même. Mais regardez un peu les véhicules qu'on peut se faire. Voilà, donc ça je pense que c'est une... C'est la carrosserie d'une Ford Mustang, je pense. Enfin, ça y ressemble beaucoup. Ça, c'est une carrosserie de... Alors en général, faut pas se fier à l'arrière, faut se fier à l'avant. Là, je n'ai strictement aucune idée. Et là, bah, c'est sa voiture. Typique. J'ai aussi ça, j'ai un peu amélioré. Ah, par contre, les pics, ah oui, c'est vrai, je peux les enlever les pics comme ça. Mais bon, c'est toujours mieux avec, comme ça, ça évite que les ennemis puissent monter sur mon véhicule. Écoutez quand même ce son. Attendez, là, mon véhicule il est cassé, c'est un gros son. Alors vous avez aussi de la nitro, je sais pas ce que ça fait dans le jeu, mais bon, dans le film il y a bien de la nitro. Alors ouais, il y a aussi des, je peux prendre aussi la pompe, ou alors j'ai un harpon intégré carrément. C'est, il y a carrément un harpon sur la voiture. Par contre, vu que je l'ai bondé au maximum, de ce que je peux faire, eh bien, je n'avance pas du tout. Ou alors c'est l'autre qui va très vite. Et par contre, il y a un truc qui est génial, c'est qu'on peut prendre le véhicule de l'ennemi. Je vais vous montrer. Que j'ai du mal à l'habituer, c'est que le volant de la baston. Au niveau de la baston, c'est génial. Il est très fort. Moi j'ai un point américain. Oh bâtard. Allez, on va faire du tour. Yay. Non les gars. Alors on va utiliser la jumelle. Ça doit faire mal. Il est un peu méchant quand même. Alors oui, il y a la ferraille, c'est ce qui permet. Au réservoir, il est sur. Ouais, je pense que c'est pas la route, mais bon. Regardez les pneus, ça patine, ça patine. Ah, raté. C'est assez dur quand même, plus je l'avais vécu, je trouve. Mais pour moi, ce qui est dommage, c'est que ça ressemble très fort, très fortement. Forcément un jeu que certains connaissent, je pense, Just Cause 3. Le 3, parce que le 3 c'est le meilleur parmi tous, et je trouve que le personnage y ressemble beaucoup. Il est un peu mal fait, je trouve. Après, le truc bien, c'est que voilà, je peux changer les habits. Alors j'ai mis ça parce que c'est typique du film. Ah oui, je vais vous montrer un autre truc. Alors en fait, c'est un peu à la Far Cry. Le but du jeu, c'est Far Cry. On doit... Regardez. On doit tuer toutes les bases ennemies, c'est Far Cry. Ça mélange un peu tous les jeux, ce jeu. Après là, t'as les...
avec. Pour enlever la petite épée avec une chute du centre qui vient de s'afficher. C'est le niveau auquel contrôle le chef, le boss du jeu. C'est à quel niveau il contrôle cette plaine. Là, il contrôle à 5 sur 5. J'en ai certaines, mais il contrôle qu'à 4. Donc je voulais vous montrer aussi, regardez. C'est pas cool ça. Alors le mec qui conduit, c'est un mec en fait, c'est un garagiste qui est très utile, celui qui fait le pont déjà. C'est celui qui a fait la voiture, qui m'a aidé à faire tout. Et puis surtout un réfugié. Donc je vais vous montrer un peu la base. La deuxième base qu'on a dans le jeu, donc vous verrez si vous avez. Si vous avez la voix. La deuxième base que vous débloquez. Par contre, il y a quand même le chien. Et j'ai pas pris parce que dans cette voiture-là, on peut pas prendre. Mais il y a un buggy fait exprès qui lui appartient d'ailleurs dessus là. Derrière, il y a une cache pour chien. Donc le chien, il va dedans. Ça nous permet de détecter les noms. Les noms, ils sont cachés. Alors en fait, c'est ici dégueulasse que c'est le bonhomme. Parce que en fait, je suis dans le jeu depuis longtemps. Parce qu'il a fait une course à la mort. Et puis, il a perdu, mais il a quand même survécu. Je vais vous montrer sa tronche. Bask in your glory. None of us truly, don't want your you legend is growing. Ouais. Alors, je sais pas si vous voyez bien là, je peux pas faire mieux. Regardez un peu comme c'est, comme il est dégueulasse quand même. Ah d'ailleurs le chien, où est-ce qu'il est? Ah oui voilà, il y a sa niche. Je vais vous montrer Buggy après. Juste, je viens de débloquer un truc. Parce qu'on peut se... Regardez ma jauge de santé, c'est ce qu'il y a tout à gauche, en rouge. Et puis tous les petits trucs qui apparaissent, c'est pour construire des choses. Et là, j'ai débloqué les deux pièces qui me permettent de construire un truc à eau quoi. Où est la deuxième pièce? What the fuck? Bon bah tant pis hein. Je verrai ça plus tard. Tiens. Et le ferraille. Tiens, là aussi, Bon, maintenant, le buggy avec le chien. Allez, allez. Putain, par contre, on peut pas courir. Et on peut pas faire de roulade. Alors, j'ai bien sûr un pistolet. Ah non, je peux même pas le sortir. Choisir un autre véhicule. Non, c'est pas là. Donc c'est dans le Archingame. Il est où le buggy? C'est ça? Si, c'est ça. Par contre, je vous préviens, il est vraiment pas beau. Regardez cette horreur. Which way? Où est le chien? Bon, il est sérieux, il a pas pris le chien.
Moi, Toby. On va prendre le véhicule. Alors, je vais changer la carrosserie. Voilà, donc... ah oui, ça, c'est pas très beau quand même, je trouve. Mais bon, ça permet de... Regardez. C'est de l'argent, celui-là. Voilà, donc on va essayer un peu celui-là. What? J'ai jamais vu ça. Allez, go. Je crois que c'est juste pour faire de l'eau. Ça change rien au niveau des stats. Ça, c'est hyper bien fait. C'est intéressant, on a beaucoup de dégâts. Et regardez à quoi il sert aussi le vieux. Le dessus. Il est tout ça. Voilà, il peut me la réparer. Même quand elle est en feu, je descends du véhicule, il prend un extincteur et puis voilà. Après, il faut attendre, il y a la jauge de santé du véhicule qui est tout à droite, le truc vert qui monte là. Il y a l'essence aussi, il faut que je remette un peu. Voilà. Je stocke toujours un truc. Voilà, on va faire le plein. Aïe, je suis déjà à la moitié. En fait, au début j'ai mis une compétence qui me permet de gaspiller moins d'essence. En fait, je trouve que ça fait pas réaliste. Oula, oula. On va aller poursuivre. Ah non, en fait, c'est eux. Toi, t'as pas, j'avais pas fait ça. Je vous conseille le jeu parce que franchement je crois que c'est un peu débile. Je l'avoue que en général les jeux films c'est pas terrible. J'ai aussi les espèces de trucs sur les gens, les épines pour regarder transpercer. Vous avez vu un peu quand même, c'est bien. On peut faire une réparation du véhicule rapide, mais bon, ça coûte de la ferraille. Et la ferraille, c'est assez dur à trouver. Alors, regardez ce que je vais vous faire maintenant. Je vais vous montrer quelque chose qui est très difficile à faire. Je vais essayer d'aller voler casser un convoi. On voit ferraille. Et quand je casse un... Oula. Et quand je casse un... Ah d'ailleurs, regardez aussi. J'ai jamais tant fini dans ma phrase. T'es mort? Oh non, je voulais lui donner de l'eau. Regardez ce glaive, il est en train de marcher sur la personne qui est morte. Donc ça me fait, vous voyez le truc qu'il y a sur le pare-choc, pas le truc pour enfoncer les véhicules, il y a une espèce de tête de mort, à l'arrière il y a un laurier, c'est ça qu'il l'appelle, et en fait à chaque fois qu'on est en train de voir, on gagne, donc c'est assez drôle. Des fois, il pique mes parents.
Parce qu'en fait, il y a trois camps d'ennemis. Là, je vais aller jouer avec lui. Changer de carrosserie, on va mettre une que j'ai jamais testée. Elle est belle quand même. Donc je vais regarder si ça modifie les stats. Non. Donc allez, c'est parti, on va aller attaquer un trésor. Mais je préviens, c'est très très dur. Je ne dois pas, c'est vraiment hyper dur. Alors ça aussi, c'est assez réaliste. Il faut suivre aussi. Il y a un nuage, je vais voir que ça peut s'éparer. Et sur la carte, le type en pointillé rouge, ça va être la route du combat. Voilà, c'est pas beaucoup. Par contre, allez voir Corey qui monte sur le véhicule. Go, 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 go.
faire. Oh, je suis pas mort. J'ai cru que j'étais mort. C'est chaud. Regardez comment ils sont. Par contre, tout ce qu'il y a dans ma tête. Ma santé. D'où il est monté? Bah oui, c'était mort. Parce qu'il me shoot. Ah oui, c'est vrai. Quand je suis arrêté, ils arrivent à monter. Vas-y, j'en ai marre. C'est chiant, c'est rageant par contre ce jeu. C'est comme Just Cause. Parce qu'après, on réapparaît loin. Allez! Allez. En plus, il fait très chaud là ces temps-ci. Et la PS4 elle chauffe comme n'importe quoi. C'est horrible la chaleur qu'il fait là-dedans à cause d'elle. Et je peux pas ouvrir parce que sinon il y aura trop de bruit dehors avec toutes les voitures là, avions et tout. Ma caisse. Elle est où ma caisse? Je vais d'aller voir le mec. En même temps, je vais aller faire une mission là. Parce qu'on s'ennuie sans les missions. Please! Please! Child. It's the burning sickness. The fan. Give it to me quickly. Come on. Just let me heal her pain, please. Don't mess around with that stuff. Don't touch the merchandise. Ah ouais, d'accord. C'est un bâtard. Ils vendent les femmes, ça veut dire. Bon, et voilà, on va péter à la carte. Bête de bacon. Oh! Tu n'as rien vu, j'ai rien volé du tout. Still got a lot to prove, boy. Oh non, je peux pas faire la mission. Donc, où est ma caisse, monsieur? Je réclame ma caisse. Oh putain, mon tas de ferraille. Oh, il était là, tout à l'heure il était pas là. Ils sont sérieux, il va falloir apparaître là. Ah bah c'est bon. Ah oui, mais c'est chiant. Ah bah voilà. Orné. Je vais le récupérer, c'est les trucs qui sont à l'arrière. Et à l'avant. Oula, il y a un bug. J'étais à fond. T'es bloqué, faut que je change la transmission. Allez. Sniper. Ah, il a repris, c'est aussi à ça. Oh, j'ai deux choix là. Soit je l'enfonce le machin. Ouais, je vais tirer avant qu'il soit hors de portée. Yeehaw!
Vous voyez, là vu que j'ai cassé un truc, il contrôle de moins en moins. Attendez, je vais regarder ce que c'est qui est accroché. C'est pas des humains quand même. Là, je le savais, c'était ça. Wesh! On peut même pas attendre sa porte. Allez, go. On va essayer de leur échapper. Oh non. Il est pété là, je peux du tout. Moi je vais réparer. Fix the car, quick. Toi tu viens de signer ton arrêt de mort. Bah, comme il fait pour le son du véhicule, si je peux pas monter dedans. Et trucs pour vous transpercer la vache. Hurry. Aïe. Il y a tout carré par le véhicule. Il est bloqué. De réparer. Réparer. Allez, go! Ça avance pas, ça avance pas. On va détruire la tour. Oh cool. Ici ouais, j'ai changé de zone, ici c'est plus que deux. Ah ça y est, je suis arrivé à destination. Ils sont barrés, ils ont eu peur. Voilà, on va le mettre à l'avant. Sans les deux ou sans l'œil.
J'ai bien cliqué à l'avant. Il n'y a eu aucun changement. Alors, quelle est la prochaine destination ? Bon, bah, il n'y a plus rien à faire. Bon, eh bien, salut à tous et je vous souhaite à la prochaine.